on a réussi, on a fait planter le jeu. Oh là là. Les gars, on s'était donné une mission, faire planter le jeu. On a fait planter le jeu. Ah ouais. Wesh Internet, c'est Bandy, ton belge préféré après Claude Moniquet. Je sais pas, il y a des gens qui l'aiment bien. Je crois pas. Alors les gars, je sais plus quoi faire. On est sur la fin du format. On attend tous Zendikar qui sort en septembre. On attend la rotation. L'historique, c'est amusant, mais voilà, le standard, tout le monde s'en fout. Donc j'ai décidé, tout simplement, de casser le jeu. Voilà, on va casser le jeu ensemble. Et je vous montre comment. Alors, voici notre magnifique deck, les gars. Je l'ai appelé Erreur 404. Erreur 404, c'est quoi son principe? C'est de faire planter le jeu. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à faire planter le jeu, au pire, vous faites une draw. Mais vous n'allez pas gagner avec ce deck. Sauf si vous voulez vraiment, vous pouvez. Mais notre but, c'est pas de gagner. On a des missions bien plus nobles. Nous, on veut faire planter le jeu. Alors comment on va faire pour faire planter le jeu? Je vous le montre. Vous voyez qu'on a des cartes en fait qui vont de 1 coup de mana à 6 coups de mana. Alors pourquoi? C'est très simple. On va jouer une carte que beaucoup de gens ont oublié qui est Azor's Gateway. Alors Azor's Gateway c'est quoi? Vous payez 1, vous l'engagez, vous piochez une carte, vous mettez une carte en dessous, vous exilez une carte en fait. Quand vous avez exilé 5 cartes de 5 coups de mana différents, vous transformez Azor's Gateway en Sanctum of the Sun. Alors le Sanctum of the Sun il a un effet assez marrant, c'est que vous allez rajouter X mana de n'importe quelle couleur, X étant votre nombre de points de vie. Et là vous commencez à comprendre ce qu'on va faire comme connerie. Ce qu'on va faire les amis... Je cognais le menton, tiens, sur le micro. On va faire, les amis, c'est très simple. On va flipper Azor's Gateway, et puis on va commencer à faire des énormes marches des multitudes avec. On a Ajani's Welcome sur le board, donc ça fait genre 300 triggers, ça prend du temps. Il commence à y avoir énormément de tokens, le jeu sait plus trop où il est. Je veux dire, à partir de 500 tokens, le jeu commence à galérer, parce qu'en fait, au lieu de faire un paquet de tokens identiques, je pense qu'il réfléchit pour chaque token indépendamment. Ça a commencé à charger le jeu, et puis à un moment, vous allez terminer sur un draw. Alors vous allez voir, je vais vous laisser une seule partie, qui est absolument épique. C'est pas une partie de Magic, on dirait une putain de partie de Risk. Je vous promets, ça dure une heure, c'est toute la vidéo est une partie. Voilà. J'espère qu'elle va vous amuser, parce que moi je me suis bien marré à la faire. Puis il y a des rebondissements de fou. Surtout qu'on joue contre un adversaire qui a clairement une stratégie anti-token. Voilà, bon sinon on a, on a Karn. Karn parce qu'on a un wishboard, voyez, pour gérer pas mal de choses. Parce que c'est un deck best of one. Une fontaine parce qu'on gagne de la vie, des casquettes, des machins, des trucs. Enfin voilà. Ce deck, ne le craftez pas, hein, dépensez pas de wildcard pour le faire. Mais c'est une expérience, donc j'espère que ça va vous faire marrer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, vous n'étiez pas obligé. Je remercie ceux qui suivent la chaîne YouTube et tout, c'est vraiment cool. Je viens de lancer un Tipeee, je mettrai les liens en bas parce que j'aimerais vous proposer plus de vidéos par mois et pour ça j'ai besoin en fait de faire appel à des monteurs et des choses comme ça. Donc j'ai lancé un petit Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, faire en sorte qu'elle puisse se développer un peu plus. Enfin, n'hésitez pas, moi ça m'aide et puis c'est cool, ok? Je vous fais des bisous, je vous embrasse, j'espère que cette partie va vous faire marrer. Je vous dis à la semaine prochaine, à plus! Ah, mais donc je sais pas, je réfléchis. Ben après, on regarde plein de... Enfin, j'ai beaucoup regardé la télé française, hein. Faut pas croire. Bonjour, je gardais, je m'en fous, YOLO. Je sais pas si vous avez vu la dernière pub des chasseurs, là. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi éclaté, quoi. Mais quand je dis éclaté, c'est vraiment éclatouze, quoi, de... Je vais regarder ça, frère. Oh, 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 oh. Ça, c'est stylé. Des dalles. Oh, mais... Il y a des gens qui font des belles choses. En fait, il va me sortir un... Il va me mettre plein de tokens de merde, et puis il va me sortir... Putain, je respecte ce gars. Il va me sortir le truc, là. C'est ça qui me fait, hein. Ah non, il pioche là. Oh, tiens, attends. Ah bah dis donc. Ah bah voilà autre chose. Non mais maintenant il y a les nouvelles régies en fait si tu veux. À la base, à la télé, tu avais la pub de TF1 quoi par exemple. Mais maintenant t'as les nouvelles régies et du coup ce qu'ils font c'est que moi si je regarde TF1 en Belgique, je vais voir les pubs des régies belges. Et en toute honnêteté, hein, il y a quand même moins de talent. Enfin, il y a moins de moyens sur la pub en Belgique. Du coup, des fois, c'est un peu tristoun.
Ça fait quoi encore ça Ça devient quoi encore le land? Ah putain le bâtard. Oh le bâtard. I am not frightened by you. J'ai envie de mettre ça, je sais pas pourquoi. Alors, on va reprendre la Primal Amulet. C'est de nouveau comme tout à l'heure, les gars. Souvenez tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on a eu une partie où il y a un mec qui nous a fait un casualty au voir. Et, genre, le tour d'après, on a Gaia's Blessing, les trois trucs. Et on les a récupérés, en fait. Et on les a rejoués. C'était très très drôle. J'ai beaucoup ri. On a toujours pas de. C'est un peu triste. Alors. 1. Oh! Scheiße, mais ça c'est bien parce qu'on n'avait pas encore de land comme ça. Ce qu'on pourrait faire c'est craquer ça. Ça fait beaucoup, hein, mais. Ok. Ah, il m'emmerde ce garçon. On va le glace casquette le prochain tour, de toute façon. I will not lose another friend. Après, on pourrait aussi God's Pharaoh statue pour le foutre dans la merde. Mais non, je vais le glace casquette. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir des bons trucs, s'il vous plaît, les gars? Vous noterez que ça marche pas du tout avec Ascanta, en fait, hein, ce qu'on fait. Allez, je prends tous mes landes, quoi. Je vais attendre un peu. Au pire, on pourrait... ça j'aime pas bien. Trois et on peut le proc tour prochain. Tour prochain on le proc. Donc ça c'est bien. Putain, j'ai oublié de... Ouais, c'est ça. Son but, c'est de me faire plein de petites bêtes. Et après... J'ai déjà vu ce deck. Et après, de jouer... Je pense que les deux se valent. Hein. Déjà, on va Wrath of God et on va proc notre petite Primal Amulet. Et ça, c'est un peu sexy. Sexy Mickey. On va jouer ça. Après, on aurait peut-être dû la jouer après le Cleansing Nova, mais... Il est tout à fait fou, Steve. Vous allez voir ça. J'ai oublié, deux tours oubliés de drop avec le land. Ouais, ouais. Alors, attention. Ça, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça, quant à l'amulette. Parce que ça pioche deux, quoi. Ah putain, j'ai de nouveau payé avec le truc de la
La chromatique lanterne, c'est tellement mal foutu, quoi. J'y crois pas, quoi. Putain, Kiora serait marrante dans le deck. Kiora serait... Ouais, bon, j'ai perdu une pioche, quoi. Ok, qui peut... Si je peux pas... C'est... Taille 2... Hop, hop, hop. Jean-Michel Land. Allez, quoi. Allez, sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est Land? Oh là là. Je vais faire ça parce qu'on veut pas. Pas qu'il gagne ça. Je verrai, je vais peut-être... À mon avis, on va à Ascanta au prochain tour, à la fin du tour. Là. On est vraiment bien. Hein. Franchement, on est bien. Là. Ah voilà, ça je voulais. Ah! Bah voilà, ça c'est bien. Oh là là, les landes. Pour pas, je veux pas ça. Comment on fait pour avoir le truc du primal? Je vais devoir péter ma chromatique lanterne en fait. Pourquoi ça marche plus? Comment ça se fait que ça marche pas? Ok, donc on va virer la chromatique lanterne si ça marche pas en fait. On va tout péter, je crois. Je pense qu'on va tout péter, attendez. Ouais, on va tout péter ici. Tant pis pour... Ok. Voilà, et là ça refonctionne. Bon, ben on va virer ce truc de mort, hein, du coup. On va reprendre le Vrasse. C'est dommage, quoi. Et alors... Prends les trucs que j'ai besoin dans le combo. Si... Ah, cacarne. C'est relou par contre là. Alors attention. Ça va être compliqué pour lui, hein, je pense, honnêtement. Ça va être compliqué pour lui.
Non, c'est vraiment un deck d'enfant que je joue, hein, les gars, je le sais, hein, j'en suis bien conscient. On va aller prendre une deuxième prime à l'amulette, tiens. C'est marrant, ça. Je suis vraiment conscient de ce que je vous fais subir. Hop là, les landes, ça dégage. Ça, je prends. Ça fait un truc en plus. Ok, on va dire à toi. Là, maintenant, on a des contres. Donc on est bien. On est bien, les gars, franchement. C'est assez incroyable si c'est en train de se produire ici. Ah, monsieur ne veut plus jouer. On va mettre un land, donc 0. On va attendre, on va à Ascanta à mon avis. Là on a le setup parfait là. Opt, Revitalize, ok, et Wrath of God, ok. Et là, on va prendre Cleansing Nova, un petit Karn, pourquoi pas, et une Wrath encore, tiens. Évidemment, nous, on pioche que nos landes. Oh là là, c'est un scandale, les gars. Allez, quoi? C'est quoi cette merde? On va mettre là. Voilà. C'est 5. On a 0 et 5 là en 6ème. C'est pas mal. On va mettre un petit coup d'Ascanta, mais non, on s'en fout. Si on a du compte. Ah! Voilà qui est bien. Oh, ça devient indécent là. Oh, ça devient indécent. Oh, ça devient indécent. Vous allez voir là, attendez, vous êtes prêts? Et il veut plus rien faire, il a arrêté, il a complètement abandonné le projet, quoi. Il a complètement abandonné le projet, le gars, je sais pas pourquoi, mais... On a quoi? Bon allez, deux tours. Qu'attendez, hein, que je regarde, on a 1, 2, 3. 4. Prendre Karn, comme ça va nous chercher un qui est bien. Ah, hop, c'est bien ça. Attendez, on va jouer Karn, déjà ça c'est sûr. On a des trucs bien rush dedans qu'on pourrait utiliser. Genre ça coûte 7 normalement. Donc on va la mettre dedans. Voilà. Ah, maintenant ce qu'on pourrait faire, les gars, c'est 1,
pied. Ça, c'est pas mal. Non, c'est deux vraies différentes. Genre, les points de vie, on s'en fout un peu là où on en est rendu. Qu'est-ce qui... Attendez. Un, deux, trois. Ouais, on a... Prochain tour, il faut qu'on mette le opt en fait dans le truc. Et puis on a gagné. Puis je pense que ça va être très beau ce qui va se passer. Alors on va reprendre ça. On va reprendre ça. On va reprendre ça. Bon, c'est un peu long. Le setup là, les gars, est long, mais ce qui va se passer au prochain tour va être plutôt beau, ma foi. Ok. My purpose is greater than myself. Ah, ça a payé 30 mana. Et bah ça, dis donc. Et bah alors, dis donc. 30 mana, dis donc. Voilà autre chose. Je suis un peu emmerdé, on va devoir attendre encore la fin du tour à cause de ça. Franchement, je vais lui laisser buter. Voilà. Ok, voilà les gars. Là, on va faire du sale. Vous êtes prêts? On va discard ça parce que c'est de la merde. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il nous reste 11 cartes. Hein. Whenever a creature enters the battlefield, they are enchanted player control. That player lose one life and one. Non, merci. C'est ça qu'il veut faire. Il veut que... Alors, les gars, c'est le moment de faire n'importe quoi. 41. On a... Ouh. 46. 46. 51. 57. 58. 58. 58. Moins 3, ça fait 55. So. Reste, reste. Ah merde. Vite! Quel connard, il a pas mis... Allez, Antonio! Et salut dans ma cave. Vous arrivez au bon moment. Je crois qu'on va perdre. Oups. Allez vite. Allez vite le jeu. Ah, my turn, ah, les amis. C'est tout à fait fou, Steve. Hein. Ok. On pourrait abuser et juste pour casser le jeu, regardez, faire ceci
J'ai envie de le faire, quoi, tu vois. Donc on a combien? 212... Ok, bon, on va le faire pour 200, ça va. On va voir ce que ça va donner. On va voir si le jeu va casser ou pas. On va perdre. Mais non, mais c'est surtout que le prochain tour, il va jouer son truc là, voyez. Bon, je pense qu'en termes de points de vie, on est pas mal. Yurgo, il me dit. Okay. C'est compliqué là pour le jeu. Hein. Je l'ai pas doublé encore, non? Si, je l'ai doublé, mais pas triplé. Et salut Coutu. Ouais, ouais, on est en train de casser le jeu, là. Ça va bien. Le jeu sait plus où il est. Je pense qu'on va perdre. Juste parce que le jeu sait plus comment il s'appelle. En tout cas, l'adversaire est patient. Je pense qu'à 400 points de vie, on est plutôt tranquille, ma foi. Et c'est pour ça que, en fait, je vais péter moi-même mes trucs, là, en vrai. Oh. Non, mais je crois que là, on va perdre, là. Là, on va perdre. Et le mec reste parce qu'il sait qu'on va perdre. Ouais, y a un petit bug sur l'image, pardon les gars. Non, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais cleansing Nova
toutes mes créatures. Comme ça, au tour prochain, on en fait encore plus, quoi. Le tour prochain, on en fait 2000. C'est ça le but. Le but, c'est pas de gagner, les gars. Moi, j'ai déjà posté des trucs. Mais vous, faites des clips et allez les poster pour moi. Parce que moi, j'ai déjà essayé de poster et franchement, ils prennent pas. C'est de plus en plus lent, ça galère. Ouais. Allez, plus que 160. Là pour le coup, la City Blessing, on l'a bien quoi. Putain. Tu peux vous mettre. Je pense que c'est l'application, la City Musical, parfait. C'est vrai qu'on pourrait faire un village. Bourg Token. Token sur le. Token en Bresse. Vous n'avez pas appris comme ça. Allez, on se fait. Je te convaincre, ouais, c'est vrai. Viens me voir niveau jeu. C'était 80 figures, les gars. Ah, l'angoisse, quoi. Allez trouver l'amour, allez, je me sens que par ma femme, c'est 12h30 parce qu'elle sait pas si on est bloqué dans un combo depuis une demi-heure, mais voilà. Voilà, là ça va commencer à être dur, on va arriver à la fin, mais on va perdre. Hein. Ah! Ah, il m'aide, c'est mignon. C'est ça qu'il attendait, mais il me sauve en fait là. Ah, c'est ça, il y a un fou. Eh, mais moi j'ai dit ok, hein. C'est lui qui a plus le temps là. Ou le jeu a planté, les gars, je crois. Le jeu arrive pas à gérer, à te faire deux dommages sur 700 tokens. Le jeu, sait plus. C'est qui perd là? Je sais pas qui. Le jeu est bloqué. Ah, c'est incroyable. Ah. Ah putain. Ah non, hein, pas encore. Oh non. Jean-Cultime. Ah ouais. Ah ouais. Le jeu sait plus. Eh, merci pour les petits. Merci pour les petits. Ça comme ça. Le jeu sait plus, hein. Franchement, je vous promets que le jeu sait plus. Franchement, le jeu sait plus du tout ce qui lui arrive. C'est incroyable. Les tours durent 25 minutes, les gars, là. Oh, on aurait dû mettre des Nyx Bloom en cire dans le deck aussi. Non, je vais faire une autre marche maintenant à la fin du tour. Je trouve ça beaucoup plus drôle. Mais je pense que là, on est mort, hein, sur l'autre marche. Ah merde! Mais c'est trop lent, les gars, franchement. C'est beaucoup trop loin. Pardon, je coupe la musique. Sorry, je me suis un peu enflammé. Parce que nous, on va pas se meule en fait, parce qu'on a Gaia's Blessing, donc c'est impossible qu'on se meule. On va prendre les absorbes, je crois que c'est bien les absorbes.
Avec Nix Bloom, ça aurait été bien, ouais. Mais regardez comment ce jeu, c'est plus où il est, quoi. Incroyable, 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 incroyable. Le jeu sait plus où il est, hein, je déconne pas, franchement, il y a plus rien qui fonctionne. Il est là. True goodness can never be corrupted. Est-ce qu'on ferait pas un petit coup de Tor mode script juste pour être sûr, quoi? Si jamais notre ami... son petit truc, lui, à lui, c'est... Cette partie est incroyable, j'ai l'impression de faire une partie de risque. J'ai l'impression qu'on joue à risque avec mon adversaire, tu vois. C'est comme une partie de Monopoly, ça fait 3 heures qu'on joue. Est-ce qu'on fait 614 tokens ? J'arrive pas à en faire 600. Ah, ce sera 525. J'arrive pas à faire plus. Ah, j'arrive pas à faire plus. Ah, ça bug. Ah, le jeu bug. Ah, le jeu bug. Mais c'est ce que je me disais qu'il y aura dedans, ce serait Nawak. J'ai lancé le truc, mais le jeu sait plus trop. Oh là 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 là. Les amis. Ah merde, il peut encore jouer son truc. J'y ai pas pensé. Attendez, hein. J'entends plus, il y a même plus de son dans le jeu. Ah. Mais vite. Ouais, en fait, t'as la Azorx Gateway, ça te donne autant de mana que ton nombre de points de vie, tu vois. Y a même plus de bruitage dans le jeu, je crois qu'on l'a cassé, les gars. On va reprendre un flame sweep, mais c'est pas grave. Le jeu, je n'entends plus les bruitages du jeu. Je sais pas pour vous, mais il n'y a plus rien, quoi. Bah, si je les entends pas, vous les entendez pas, vu que je vous donne ce que moi je prends. Enfin, vous voyez, quelque part, on est connecté. On est connecté quelque part, on vit un truc vraiment... vous voyez le monde à travers mes yeux, en fait. Je sais plus où il est.
Je sais plus où on en est, je sais pas ce qui se passe. Ça, c'était pas mal, hein, 13 passeurs contre nous, en fait. T'imagines on serait mort, en fait, là. Si ça, ça avait flash... Je crois que cette partie dure depuis une heure et demie, en fait. Oh, le cancer, quoi. On aurait quand même dû mettre un Final of Devastation dans le deck et une bête. Je pense que ça aurait été marrant. Ça va, il y a encore du rythme, hein, je trouve. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, sorry. Il y a un mec sur LOL qui a plus le temps, là. Je rêve ou c'est notre adversaire qui est en timeout. Mais juste cette game en... Ouais. J'essaie d'avoir des vidéos en dessous de 30 minutes, là, pour le moment. Mais je crois qu'il va perdre, parce qu'il fait aucune action. Ah mais non, il faut les créer. C'est quand même un beau jeu. Qui est parti faire des courses. C'est ça. Quand j'ai commencé cette game, je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, il faut que j'y aille parce que je dois lui apprendre à conduire. Putain, le jeu sait plus où il est, les gars. Je pense que c'est le bon moment d'arrêter le stream parce que... Ah! Et le flame sweep de l'adversaire ou quoi? Ah non, my turn. Oh là là. Le jeu est cassé, les gars, il a fait rien. Oh ouais. Il a craché. Le jeu a crash, on a réussi. On a réussi. Et voilà, le jeu a craché, les gars. C'est incroyable. Ah. C'est génial, c'est tout ce que je voulais. Je rêvais que ça fasse ça. Regardez comment on va prendre. C'est génial. Ah, j'aurais peut-être pu faire ça en fait avant et Ascanta pour le contrer en fait. C'est génial, c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est ma meilleure partie de Magic, les gars. Même le Worm. Et là, maintenant, il va y avoir tous les triggers pour le Worm. Ah putain. C'est incroyable. Mais non, mais je crois que je suis déjà mort, mais qui s'est pas encore arrivé à nous. C'est comme quand tu regardes les étoiles, tu vois. Tu vois des choses d'il y a des milliards d'années, le temps que ça arrive jusqu'à tes yeux, tu vois. Et bah ben là, c'est pareil, on est mort en fait depuis une demi-heure, mais on le sait pas. Ça, en fait, ce jeu de ce play-là, il s'est passé l'année passée, en fait. C'est l'année passée, le mec a joué son truc, et ça arrive à peine jusqu'à nous, là, maintenant. Il y en a 1060. 1060. ça peut faire Je pense que ça peut faire CFB, les gars.
crois que ça a planté, ouais. Moi pas, hein. Moi je suis là. Moi j'ai pas planté. Salut Master Chibre. Okuto no Token. Ouais. Bah je crois que le jeu a planté là. On a réussi, c'était notre mission. Mais je vous avais dit que je voulais... Je comprends pas pourquoi c'est à son tour en fait. Je pensais que c'était... On n'était pas pendant... Enfin bon bref, je devais Wrath of God pour le faire encore après. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est vraiment ça. Ouais bon les gars, si ça a planté, ça a planté. Hein. Bon, en tout cas les amis, merci d'avoir suivi le stream. C'était cool, merci d'être venu. Je sais qu'il y avait Val et tout qui était là, donc c'est, ceux qui sont là, c'est très sympa. C'est-à-dire vraiment que vous êtes là pour moi, et pas juste parce que vous voulez regarder du Magic. Donc ça, ça je vous remercie en tout cas les amis. Je vais lancer un petit raid là maintenant. Et on va aller justement chez notre ami Val. Restez pour le raid, ça me fait des points machin là dans le programme de Wizard. Donc plus vous restez, plus c'est le feu pour moi. Yes! On a réussi, on a fait planter le jeu. Ça se fait sur un raid. Je veux les 75, les 75 personnes dans le raid là. Pour respecter mon junk. Sinon vous me respectez pas. Oh là là. Les gars, on s'était donné une mission, faire planter le jeu. On a fait planter le jeu. Je vous kiffe en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis, mais passez une bonne journée avant tout. Et n'oubliez pas, janker au moins 4 fois par jour. Quoi. C'est bon pour la santé et pour le tonus sexuel. Ça, c'est vraiment important. Faites de la merde. Allez, bisous. Mission accomplie, les gars.